Bonjour à toutes et tous. Alors, vous verrez peut-être notre visage après. Je vais déjà vous montrer Madame Za. Je vais vous montrer le bébé qu'on a emmené. Il fait très beau, beaucoup de soleil. Donc, on va protéger le kit. Je l'ai pris juste pour la balade, pour vous emmener avec nous. On va visiter les jardins de Arnaga, la villa demeure d'Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, Chanteclerc. Je vous en parle souvent d'Arnaga. Alors, on ne peut pas visiter la demeure aujourd'hui parce qu'il y a trop de monde, tout bêtement. C'est écrit qu'en raison des trop grandes inscriptions, on ne peut faire que les jardins. Mais très honnêtement, je ne voulais pas faire la maison. On la fera une autre fois. On a la chance d'habiter la commune, donc de ne pas payer la visite. Mais je vous donnerai les tarifs. C'est pas très très onéreux et c'est très beau à voir par contre. Voilà, je vais couper parce qu'il y a du monde et on va éviter de filmer la cahute. Messieurs, dames, bonjour. Alors, eh ben, on arrive à la volière. Je ne sais pas si on appelle ça comme ça, la volière. Il y a beaucoup de pans. Vous allez souvent entendre Léon. Ça s'appelle le pot, là, à côté. Ça, c'est des poteries de, je crois que c'est d'Ossès. Ils font des poteries fabuleuses. Voilà, alors vous avez tout, hein, des toilettes, un point d'eau, il y a un bar à chiens, il y a une cafétéria aussi. Là, on a un citronnier, ouais, qui est guère plus beau que le nôtre, ça sent bon. Mais qui sent très bon. Oui. Mmh. Oh, là. Regarde-le, lui, cherché. What? Quoi? Là? Ah oui, il est sur le fil, il va nous filmer. Pardon, je ne l'ai pas dit. Attends, je vais peut-être pas me mettre en dessous. Hein. Là, il y a les écuries, on va aller les voir. Attends, je vais éteindre ça. Hop. Madame, bonjour, que vous êtes jolie. C'est mignon. En fait, il regarde les oiseaux. T'es bourré que toi? Il veut pas qu'on le regarde, je te jure. Magnifique, non? Un joli bébé. Léon. Oui, mais je voudrais qu'il fasse comme ça avec ses plumes, là, comme ils savent faire quand ils les secouent. Tu l'as réparti ou non, j'ai pas réussi. J'ai pas allumé assez vite.
En fait, il n'aime pas qu'on le regarde. Hein. Il se retourne à chaque fois qu'il me voit. Alors, voici le monsieur. C'est lui qui a créé la villa de toutes pièces. Mais vraiment, qu'il a dessiné. Vous voyez là, les pièces, les salles à manger, les jardins, lui aussi les a dessinés. Là, c'est le début d'Arlinga. Vous voyez, ils étaient en train de construire l'orangerie là. Mais maintenant, elle est finie, vous verrez, elle est magnifique. C'était devenu une cafétéria. Rosemonde Gérard, notre poétesse a... Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, il me semble, mais puisqu'hier est bien moins que demain. Maurice et Jean, le qui j'en sais pas trop. Ils n'ont pas eu d'enfants, ni l'un ni l'autre, ce qui fait que la villa Arlinga a été rachetée par un Hollandais, je crois, après la mort de Mon Rostand, qui doit être mort en 18, je crois, de la grippe espagnole. Là, il y a un film qui vous présente son plus gros succès, surtout Cyrano de Bergerac, avec les acteurs qui ont fait le film. Et elle est droit devant nous, la villa. Et Gérard Depardieu, lorsqu'il a reçu le meilleur l'Oscar, je vais y arriver, parce que l'Oscar, ça va être difficile à vivre, mais quand il a reçu l'Oscar, regardez, il y a des hirondelles, petites bêtes, on n'en voit plus de ça. Hein. Protégeons-les bien. Et on a le... Donc Depardieu, quand il a reçu l'Oscar du meilleur acteur pour Cyrano de Bergerac, il a offert son Oscar à... Ou son César d'ailleurs, je ne sais plus. Non, c'est les Césars en France, je crois. Ouais. Il a offert son César à la Villa Arlinga, à la commune, et elle est en... Il est en expo dans une vitrine. Ah, voici donc notre ami Léon. Ça passe toujours. Oui, il est là. Voilà, monsieur Léon est avec nous. Il y a la femme aussi. Là, il y a le mâle, mais normalement, la femelle, elle est pas loin. Et regardez, il est tout ouvert. Là, c'est la femelle.
Ça, c'est le mâle. Léon. Donc, femelle, visiblement, je m'étais trompée, ma Lisa. Et le mâle qui nous fait la roue. Sublime. Sublime, sublime. Oh. Je voulais le prendre en photo trop tard. Je vais me mettre à l'ombre, hein, parce que... Il est mignon. En fait, il regarde les oiseaux. T'es bourrique, toi. Il veut pas qu'on le regarde, je te jure. Magnifique, non? Un joli bébé. Léon, Léon. La femelle est belle, parce qu'elle a des reflets verts. Oui, mais je voudrais qu'il fasse comme ça, avec ses plumes, là, comme ils savent faire quand ils les secouent. Tu l'avais pas pris? Non, j'ai pas réussi. J'ai pas allumé assez vite. En fait, il aime pas qu'on le regarde. Hein. Il se retourne à chaque fois qu'il me voit. Voilà. Parce qu'il se retourne à chaque fois qu'il me voit. Madame, bonjour. Que vous êtes jolie. La poule blanche, là, c'est le poule de la poule sur la croix. Tu filmes, là? Oui. Là, on a une volière, je crois que ce sont des perruches. On va aller regarder ça de près. Regardez, il est toujours là. Et regardez comme il est beau. Regardez. Il est superbe. Thank you.
marche. T'es passé par là? On va passer par là.